say you haven't noticed. Double tap in my oldest. Salut, c'est Mojo, j'espère que t'es en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test et présentation d'un appareil high-tech. J'aime pas trop ce mot, mais bon, high-tech, technologique. Il s'agit d'une imprimante. Donc, on va passer tout de suite de l'autre côté de la caméra. C'est parti. Cette imprimante n'est autre, qu'une HP DeskJet 3720. Elle est donc Wi-Fi, elle imprime et elle fait également scanner. Donc, on va passer le déballage et je vais te montrer ça tout de suite. Donc voilà, le déballage est terminé. Tu sais que j'en suis pas fan, ça sert strictement à rien. Je vais juste te présenter brièvement ce qu'il y a dedans. Donc, il y a l'imprimante, tous les livres comme d'habitude, les machins garantis, comment ça fonctionne et tout. Un CD d'installation, mais bon, moi je vais récupérer directement les pilotes sur internet, ça sera mieux parce qu'au moins on aura les derniers. Ensuite, tu as le câble d'alimentation et un câble USB. Voilà, si jamais tu veux la brancher en USB. Et les deux cartouches qui sont donc la noire et les couleurs. Alors, elle est encore enveloppée dans un plastique. Là, tu peux voir. Voilà. Pourquoi j'ai choisi cette imprimante? Première chose, avant de voir si elle fonctionne correctement ou pas. Simplement parce que tu peux voir que la taille, elle est aussi profonde que ma main. Et en largeur, hop, pardon, merde, je bouge un peu tous les trucs. Elle fait, allez, on va dire, deux mains de large. Environ, oh, bah attends, je vais pas te dire environ, je vais te donner ça exactement. Donc du coup, elle fait environ, parce que j'ai pas une règle qui est pile poil, 41 cm par 18 de profond. Et de haut, hop, sur la partie arrière qui est la plus haute, on est à 14 cm. Donc en fait, tu peux remarquer qu'il n'y a pas de truc pour ouvrir, pour passer, pour faire le scanner. C'est simplement que tu vas mettre ta feuille ici, tu vas appuyer sur le scanner et elle va sortir avec la motorisation comme ça. Et devant, tu auras ta feuille qui va sortir. Je vais la déballer, la brancher. Et la raccorder en Wi-Fi, je vais te dire si c'est compliqué ou pas. Et puis comme ça, on va pouvoir la tester, savoir si ça fonctionne correctement ou non. Donc là, j'ai branché, j'ai mis sous tension l'imprimante. Je vais donc maintenant l'allumer. Alors c'est vrai que c'est bizarre, quand tu la mets sous tension, il n'y a rien d'allumé, ni le cadran là-bas, ni le bouton là. Hop, mais tu vois, quand j'appuie, elle s'allume bien, correctement. Je vais mettre en place les cartouches d'encre et je vais pouvoir finir la configuration via le PC et certainement pas le smartphone pour hop là pour pouvoir l'utiliser. Hop, alors tu ouvres la trappe, ce qui va te permettre de mettre les cartouches d'encre. Alors tu vois, il y a le dessin, la violette à gauche, la noire à droite. Donc là, j'ai la noire, tu enlèves le petit hop, scotch ici. Voilà. Et surtout, tu ne mets pas les doigts là-dessus. Donc, pour rentrer la cartouche, c'est très simple. Hop, tu la pousses jusqu'au clic. Là, voilà, un clic. La même chose avec l'autre. Hop. Tu la pousses jusqu'au clic. Là, tu refermes. Elle va se calibrer. Hop. Logiquement, il faut que je mette du papier pour pouvoir effectuer le test aussi. Alors, attends, comment ça s'ouvre ça? Ok, comme ça, hop, là, hop, voilà. Je vais aller chercher du papier et je vais mettre du papier tout de suite. Voilà, j'ai mis 2-3 feuilles, hop, dans l'imprimante. Je vais aller faire le réglage via, hop, je vais ouvrir ça. Non, c'est pas ça qu'il faut jouer, je te dis une bêtise, là. Je vais aller faire le réglage via l'ordinateur. Et puis, on va voir comment ça se passe. Si c'est facile, si ça se connecte rapidement ou non. J'ai donc mis le logiciel que j'ai téléchargé depuis le net. Donc, tu vas simplement sur... tu marques driver HP. Tu vas tomber sur driver HP imprimante. Tu mets la référence de l'imprimante. Tu télécharges le logiciel, tu l'installes et tu arrives là. Donc, maintenant, c'est bon, c'est connecté. On va mettre continuer. Alors... logiciel recommandé, étude d'amélioration. Hein. Alors, je vais personnaliser le logiciel, ça, je m'en fous. HP création, pourquoi pas. Allez, suivant. J'ai lu et j'accepte. Suivant. Ça m'installe les pilotes. Hop.
Alors, c'est relativement rapide. Alors, le monde aujourd'hui est mobile, la pression aussi. Ouais. Ok. Allez, 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 dépêche-toi. Attends, je te mets en pause 2 secondes, comme ça ne durera pas trop longtemps pour toi. Alors, on arrive au moment où ça nous intéresse. Donc, on va établir une liaison sans fil avec le périphérique. Hop. Se connecter plus tard, n'a pas connecté. Okay. Allez, suivant, sans fil. Vérification de l'environnement réseau, pardon. Alors, on arrive donc sur cette page. Il suffit simplement de mettre oui, envoyer et stocker mes paramètres sans fil sur le périphérique recommandé. On va mettre suivant, on voit ce qui se passe. Démarrage en cours. Alors, pour l'instant, ça ne m'a pas demandé de cliquer quoi que ce soit sur l'imprimante. Bon, j'en étais sûr, du coup, ça a foiré. Donc, je vais brancher l'imprimante en USB sur mon ordinateur pour pouvoir faire le réglage Wi-Fi. Je l'ai donc branché en USB et j'attends qu'il me la détecte et qu'il me fasse un peu le boulot pour voir ce que ça donne. Je vais quand même me connecter à ma box, donc Freebox, pour voir si elle repère l'imprimante et puis pouvoir la mettre sur le réseau. Donc, peut-être bonne nouvelle. Donc, une fois que maintenant je l'ai connecté en USB, pas de problème, elle tout est reconnu avec le SSID, le mot de passe de réseau sans fil et tout. Donc là, il me propose de, si je sélectionne oui, pour me permettre au programme de configuration de réseau d'extraire vos paramètres de connexion sans fil ou non pour entrer les paramètres naturellement. J'en raconte de la merde, putain. Manuellement. Donc, je vais mettre oui, on va mettre suivant, on va voir ça. Donc, ça, c'est mon machin. Le mot de passe, ok. Vous voulez établir la connexion et stocker les paramètres sur ce périphérique. Oui, suivant. Là, ça a l'air de marcher beaucoup mieux. Donc, si jamais tu as le cas, prends-toi pas la tête, branche direct, mets le logiciel, branche directement le câble. Ça sera beaucoup plus simple. Attends, on va quand même voir si ça fonctionne. Donc là, c'est en train de m'installer le périphérique, c'est en train de tout me mettre dans l'imprimante. On va voir ce que ça donne. Donc, apparemment, ça a l'air d'avoir fonctionné puisque maintenant, ça me dit de débrancher le câble USB. Je vais le faire. Je vais aller mettre l'imprimante loin de mon PC pour voir ce que ça donne. Donc j'ai débranché, on est toujours sur le processus de configuration. On va voir ça tout de suite. Donc là, c'est pas très intéressant. On me demande pour m'enregistrer et tout. Donc on va voir. Je m'enregistre. On va voir ce qu'on me pose comme question après. S'il commence à me demander mon nom, mon prénom, tout ça. Je vais laisser tomber parce qu'au prix des imprimantes, c'est pas la peine. Si dans 1 an ou 2 elle est foutue, c'est poubelle et je la change, terminé. Je sais, c'est pas bien pour la nature, mais en même temps, ils ont qu'à faire du matos qui tient plus d'une année, quoi. Donc là, elle est en train de tester calibrage et tout ça. Donc elle est sans fil, hein. Donc ça m'imprime, c'est pas ultra violent, ultra rapide. Mais bon, en même temps, je m'en fous, hein. J'imprime pas 800 pages par heure. Et ça a l'air plutôt rapide. Plutôt rapide. Putain, mais oui. Ah, je suis désolé, j'ai tourné plein de vidéos aujourd'hui. Ça a l'air plutôt efficace au niveau de l'impression. C'est vraiment net, propre. C'est vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas une petite imprimante aussi propre. On va voir ce que ça donne. En plus, elle est silencieuse. C'est vraiment pas mal du tout. Je suis en train de tester le scan en noir et blanc. Alors, comme un abruti, j'ai mis la page à l'envers. J'espère que ça va rien sortir. Bon, j'ai droit à un deuxième essai. Allez, on va mettre la page dans ce sens-là. Hop. Parce que j'avais tenté un scan avec la page, tu vois, avec les écritures vers le haut. Alors, effectivement, ça m'a bien. Ah, putain, elle est de travers. Là. Effectivement, ça me l'avait bien scanné, mais regarde, j'avais des traits sur la partie haute là. Donc peut-être c'est peut-être le fait qu'elle soit à l'envers. Alors j'espère que c'est dans ce sens-là que ça se met. Là, je pense que j'ai mis la page de travers encore. J'ai pas bien l'habitude, ouais, parce que je l'ai pas bien calé sur le côté là, si tu vois. Là, il y a le petit machin, le petit gabarit qui te permet de bien caler à droite. Et je pense que c'est ça qui fait que ça m'a fait un trait. Alors j'ai pas essayé avec les cartes d'identité ou les trucs dans ce genre-là, mais je pense que ça doit fonctionner sans souci. Donc là, on va voir ce que ça donne. Si ça me refait le trait, c'est bien ça en fait, c'est que je ne l'ai pas assez calé sur le côté droit. Et ce qui me fait que bah, ça me fait un trait sur le côté, parce qu'en fait, il voit le vide.
Donc là, est-ce que j'ai fait le con? Donc là, j'ai fait le con parce qu'apparemment, il faut les écritures vers le haut. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut les écritures vers le haut. C'est bien ça. Eh ben écoute, comme ça, je le saurai. Donc si jamais tu as cette imprimante, les écritures, tu les mets bien vers le haut et pas vers le bas. Sinon, tu vas ressortir avec un gros tas de merde comme ça. Hop! Autre chose que je voulais te faire voir. Donc, en fait, une fois que tu as acheté de ce genre d'imprimante, elle est compatible avec le Instant Ink. Donc, Instant Ink, c'est quoi? En fait, c'est que l'imprimante surveille ton niveau d'encre et que lorsque tu n'en as plus, eh ben, elle te les recommande automatiquement. Donc, tu recevras les encres chez toi. Le problème, c'est que je ne sais pas le prix que ça coûte. Au niveau des cartouches, je parle parce que là, apparemment, inclus dans l'imprimante HP Instant Ink gratuit 0 € imprimé jusqu'à 15 pages par mois gratuitement. Alors, je sais pas à quoi ça correspond. Ou bien 3 mois d'essai inclus si vous vous inscrivez dans un forfait payant. Hop. Donc moi, je pense que je vais pas le faire parce que je pense que les. Je pense, j'irai pas te faire des répétitions. C'est pas évident de parler en vidéo. Hein. Je pense que les cartouches doivent être relativement chères. Je vais vérifier ça, on va voir tout de suite. Je sais pas. Vérifier les disponibilités par région. Consulter les offres, les économies sur les infos. Parfait. France métropolitaine, le service donc pas disponible en Outre-mer. Ok. Et ça, consulter les offres. Donc, petit truc à la con, j'ai voulu fermer la fenêtre pour ne pas participer à ça. Et ça me dit que ça ne finit pas l'installation de l'imprimante. Alors, je pense que l'imprimante est quand même installée. Donc là, je suis sur 0 €. Bon, on va dire que ça me coûte que dalle. Donc, on va mettre continuer pour voir ce que ça me propose. Alors là, il y a un certificat. Ok. Oui, je vais continuer. Alors, 15 pages par mois, je ne comprends pas du tout à quoi ça correspond. 15 pages, 50 pages, 100 pages. Est-ce qu'il me les envoie par la poste? Reporter jusqu'à 50 pages inutilisées. 15 pages supplémentaires pour 1 €. 3 mois d'essai inclus. Sans engagement. Tarification claire. Vous pouvez imprimer plus lot de pages supplémentaires pour seulement 1 €. Alors moi, je prends à 0 € par mois pour 15 pages. Je verrai si je dois imprimer d'autres pages. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, si ça va être envoyé. Je sais pas du tout. Donc moi, je mets 0 €. L'imprimante commande de l'encre et la livre chez vous. Vous ne manquerez jamais d'encre. Ouais, mais moi, ça m'intéresse pas parce qu'il y a même 0 €. Ok, le forfait. Mais sauf que j'ai pas envie de raquer. Hop, alors attends, je vais regarder un peu. Je comprends rien, c'est un bordel. Ou alors je suis vraiment con, mais c'est vraiment mal branlé. Écoute, je vais quitter là, l'imprimante fonctionne. Hop, je vais fermer, on pourra faire plus tard. Voilà, je quitte là. Je te reprends tout de suite, Facecam. Bah écoute, mes premières impressions sur cette imprimante sont plutôt positives puisque déjà au niveau du texte, franchement, ça ne bave pas, c'est vraiment très 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 précis. En plus de ça, j'ai pas réglé l'imprimante à fond parce que là, c'est les réglages de base. J'ai pas fait de photos parce que de toute manière, je ne vais pas imprimer de photos avec mon imprimante. Ceux qui le font, à moins qu'ils ont ceux qui ont les petites imprimantes spéciales photos, et encore, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Je sais pas. Mais moi, pour imprimer des photos, je préfère passer par des sites internet avec des imprimeurs spécialisés. Ça coûte vraiment plus très cher du tout maintenant pour imprimer pas mal de photos. Ça permet de sélectionner tes photos avant, en plus sur ton ordi, d'envoyer que celles que tu as envie d'imprimer. Voilà. Et puis voilà quoi. Bah écoute, ce que je te propose de faire, c'est de me mettre un pouce bleu dans nulle part, là-dessous. De t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche bleue. De me dire si jamais tu as cette imprimante, ce que tu en penses, parce que voilà, ça me permettrait d'avoir d'autres avis, et si tu l'as pris avant moi, s'il y a des problèmes ou quoi. Et puis moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, hein. Et comme le dit le joli papier, glouchloum glouchloum pochkoum.